prochain programme radio présenté par l'équipe de Radio du Québec, l'International Pro Rodeo Association et bien sûr l'organisation du Festival du Bœuf d'Inverness. Et mesdames et messieurs, sans plus tarder, veuillez accueillir le président de l'équipe de Radio du Québec et animateur, Monsieur Joey Tardy! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 41e édition de ce Festival du Bœuf de Inverness. C'est avec grand plaisir, mesdames et messieurs, que l'équipe de Radio du Québec vient produire ses finales ici à Inverness à cette 41e édition. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter une personne qui va vous divertir, qui va vous dégourdir. Une personne, mesdames et messieurs, qui est vraiment, vraiment énergique. Il bouge comme nul est capable de bouger. Il est un grand danseur. Mesdames et messieurs, on accueille fièrement Gildo! Yes, sir, mon ami Gildo. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter mon co-animateur de ce soir. Un cowboy dans l'âme. Un cowboy qui est originaire de Saint-Victor-de-Beauce. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de travailler avec cet homme. Je vous présente M. Francis Breton. Francis, bienvenue au final de l'équipe de Rodéo du Québec. Hey, merci beaucoup, Joey. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Et comme nous sommes au week-end des finales, bien sûr, on va vous présenter notre circuit avec nos meneurs au classement dans des disciplines de la saison. Et on va débuter immédiatement en vous présentant le premier arrêt 2023 de l'équipe du Rodéo du Québec, soit le ranch gagnon de Saint-Évariste, représenté ici par Cody Harvey Maranda et Daniel Briand, qui sont les numéros un au classement de l'équipe de Rodéo du Québec dans le Team Roping cette saison. Et ils ont débuté la saison en force avec une victoire de 7 à 7,5 secondes au ranch gagnon. Mesdames et messieurs, on s'est transporté dans les bois francs. On est allé visiter le Festival du cheval de Princeville au Québec. Mesdames et messieurs, il est représenté par M. Kim Langlois. Kim est 10e au classement mondial de l'International Pro Rodeo Association. Il est premier à IPRA Canada. Il a gagné 6 rodéos cette saison, dont le rodéo du Festival du cheval de Princeville avec un 5,5 secondes. Le week-end suivant, nous sommes allés du côté de Ayerscliff, où le cowboy vedette Mathieu Gagnon a remporté la prise du veau au lasso en 10,8 secondes. Et fait important, en 2023, Mathieu est classé 5e au monde et premier au Canada. Et il a aussi été nous représenter au International Finals Rodeo à quelques reprises. Mesdames et messieurs, on s'est transporté dans la magnifique région de Charlevoix. On a été visiter le rodéo, mesdames et messieurs, de Charlevoix, représenté par M. Marc-Olivier Boudreau dans les classes de Gymkhana. Il a terminé premier et deuxième dans la course du sauvetage. 1, 2, 3 et 4 dans l'échange de cavaliers. Il est premier au classement général. 4 chevaux étaient éligibles pour faire la finale de l'équipe de rodéo du Québec. Mesdames et messieurs, Marc-Olivier Boudreau! All right! Nous avons visité aussi la très belle municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en banlieue de Québec. Et notre cowboy, Lane Comtois, est le porte-drapeau du côté de Sainte-Catherine. Lane a remporté la prise du beau lasso en 9,3 secondes. Et Lane, cette saison, est très efficace puisqu'il a gagné de l'argent à 6 de nos 11 performances rodéo. Félicitations, Lane, pour ta présence au final.
Mesdames et messieurs, on s'est transporté ensuite au lac Saint-Jean. On est allé visiter le Festival Country de Labrec. Et mesdames et messieurs, pour représenter le festival, nul autre que l'une des personnes les plus expérimentées sur le circuit de l'équipe de rodéo du Québec. Elle est 10e au Canada. Elle a gagné le rodéo de Labrec avec un 3 secondes flat. Mesdames et messieurs, Valérie Bouchard! All right, on se transporte par la suite aux festivités Western de Saint-Victor. Et mesdames et messieurs, si vous vous demandez si des Québécois, des Québécoises peuvent être les meilleurs au monde de leur discipline, eh bien, vous avez devant vous Julie Plourde qui a gagné, bien sûr, à Saint-Victor, mais qui est en 2023 numéro 1 au classement mondial, numéro 1 au Canada, numéro 1 de l'équipe de rodéo du Québec. Et elle dépasse les 42 000 $ de gain, mesdames et messieurs. Félicitations pour cette très belle saison qui va se poursuivre encore pour elle. Mesdames et messieurs, on s'est transporté au centre du Québec. On est allé visiter l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Et mesdames et messieurs, nul autre qu'un cowboy qui s'est démarqué d'une façon hors pair au, à l'exposition de Saint-Hyacinthe en gagnant le terrassement du Beauvillon. Il a gagné la prise du veau au lasso, a terminé 3e dans la monte des taureaux sauvages. C'est un exploit très, très rare. Mesdames et messieurs, on applaudit fièrement Monsieur Éric Isabelle! All right, notre passage à Sainte-Brigitte-d'Iberville a permis à David Bernier de terminer premier et de gagner sa place aux grandes finales. Il a gagné la prise du veau lasso en 10,8 secondes. Un des cowboys les plus dévoués à son sport ici au Québec, mesdames et messieurs, est présent au final 2023, David Bernier. Mesdames et messieurs, on s'est transporté au Saguenay pour un nouveau rodéo de l'équipe de Rodéo du Québec. Le rodéo du Festival du Boisé de Chipcha. Et nul autre, mesdames et messieurs, qu'un cowboy dans les tours de ring, soit dans la course du sauvetage et de l'échange de cavaliers qu'ils ont gagné. Il a terminé également 3e dans le terrassement du Beauvillon. Mesdames et messieurs, un cowboy de God Manchester, Max Clermont! All right. Le week-end dernier, notre dernière de la saison régulière, Samuel Turcotte, en tant que cavalier sauteur dans l'échange et dans le sauvetage, a remporté avec son partenaire Marc-Olivier Boudreau. Donc, les performances du côté de Rodéo Mont-Sainte-Anne. Samuel et sa famille sont bien connus dans la région. Donc, ses parents Robin et Michel ont pavé la voie à Samuel pour devenir l'un des champions dans cette discipline. Mesdames et messieurs, on est rendu maintenant le temps des finales de l'équipe de Rodéo du Québec et on est fiers d'être à Inverness! Et mesdames et messieurs, pour représenter le Festival du Bœuf de Inverness, nul autre qu'un cowboy qui est 2e au classement général et 2e au classement général IPRA Canada, a placé à 10 rodéos durant la saison 2023. A participé, mesdames et messieurs, au International Final Rodeo. Mesdames et messieurs, on accueille fièrement Thomas Lagacé! Et mesdames et messieurs, voilà tous les villes que nous avons visitées cette saison avec des cowboys et cowgirls qui s'y sont démarqués. On leur donne une bonne main d'applaudissements à tout le monde! Et aussi, mon ami Francis, merci à toutes les villes, les communautés, les bénévoles, les partenaires qui ont pu rendre cette saison 2023 une saison très remarquable. Mesdames et messieurs, maintenant, je vous demanderai de vous lever debout pour l'interprétation de notre hymne national, qui ce soir sera interprété par une demoiselle qui nous vient de Princeville, au Québec, Mademoiselle Chloé Tardy. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée. Porter la croix,
Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep a land glorious and free. Oh, Canada, we stand on God. For thee, oh Canada, we stand on guard. For thee. Wow, Chloé Tardy. Mesdames et messieurs, dans le monde du rodeo, nous avons une belle tradition. Avant le début de chacune de nos prestations, de nos performances, on récite une belle prière. On appelle cette prière la prière des cowboys. Notre Père qui es aux cieux, permettez-moi quelques instants de réflexion afin d'apprécier ta bonté. J'implore ta présence tout au long de cette compétition et je te prie de guider mes pas dans l'aréna de la vie. Seigneur, je ne te demande aucune faveur spéciale, mais aide-moi lors de la grande finale de la vie où tu seras le dernier juge. Car Seigneur, j'aimerais t'entendre dire que mon entrée est faite pour le paradis. Ainsi soit-il, et mesdames et messieurs, bon rodeo! Monsieur Pedro Giguère de la région de Hadstock, Monsieur Daniel Couture, et mesdames et messieurs, secteur Jim Cana, il est âgé de 82 ans. C'est le seul, c'est l'unique, c'est le grand. On accueille fièrement Monsieur Antoine Carrier. Notre directeur de manège, Monsieur Jean-Marc Meunier, sur les chutes de brocage, Monsieur Marc Hibisson. Et mesdames et messieurs, je cède la parole à mon ami Francis Breton pour vous présenter nos prochains. Hey, merci beaucoup, Joey. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Quelle belle ouverture rodéo pour nos finales 2023. Nous sommes à quelques secondes du début de notre programme rodéo et de nos premières épreuves de broncage. Mais avant de se faire, il nous reste deux personnes bien importantes à vous présenter. Deux personnes qui ont travaillé le circuit toute la saison, qui ont fourni des montures, qui ont conduit des heures et des heures pour venir assurer la sécurité de nos cowboys et de nos montures de brocage. On parle ici de nos cavaliers de secours, Monsieur François Lafleur et William Payard. Et maintenant, place au spectacle. Avec la première discipline ce soir, celle qui physiquement est l'une des plus difficiles à réaliser, la monte des chevaux sans selle. 8 secondes d'une seule main, nos cowboys se tiennent à l'aide d'une poignée qui ceinture l'animal. On surveille notre premier cowboy, il est jumelé à la monture Jared. Son nom est Dustin McKee. Il vient de Sherbrooke au Québec. Oh yeah, Dustin, come on, cowboy! Oh! Secondes du week-end, mesdames et messieurs! Pour ces cowboys, c'est important d'être, si possible, 3 en 3. Et on est déjà 1,8 secondes pour Dustin McKee, mesdames et messieurs! Monsieur les juges, de quelle manière on peut apprécier la performance? On a 28 points d'un côté, 29 points de l'autre, pour un pointage total de 57 points, donc 57 points pour notre cowboy Dustin McKee. On va enchaîner maintenant avec un prochain cowboy. Un prochain cowboy, mesdames et messieurs. Andy Chalifou est jumelé à la monture Betty. On va surveiller notre prochain cowboy, un excellent cowboy, quatrième position au classement général. Notre cowboy Andy Chalifou et la monture Betty. Cowboy qui, depuis plusieurs années, fait l'entraînement de chevaux de Gymkhana, de chevaux de performance. Et cette saison, il a décidé de venir essayer ça. Et ça lui va très bien. Andy Chalifou est en place, mesdames et messieurs. Let's go! Ah! Ouais, monsieur! Et
venir en place. Ça va vite, on est tombé du mauvais côté un peu, là. OK, nos cavaliers de secours vont venir sécuriser le tout. Wow! On est correct? Hey, on lui donne une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs, notre cowboy, Andy Chalifou. Monsieur les juges, de quelle manière on peut apprécier la performance de Andy Chalifou? Oh! 23 points d'un côté, 30 points d'un côté et de l'autre côté, 29,5 pour un pointage total de 59,5 pour notre cowboy Andy Chalifou. Ça le met quand même en première position jusqu'à présent. Et on va enchaîner avec un autre excellent cowboy. Notre prochain cowboy se nomme Hugo Ferras. Hugo, mesdames et messieurs, est un cowboy qui a débuté lui aussi avec le Rodeo Academy de l'équipe de Rodeo du Québec. Mesdames et messieurs, Hugo Ferras ce soir est jumelé à la monture. M. Sam Fun, MX340. Ouais, on est prêt, Joey, pour Hugo Ferras. Hey, Guildo, c'est pas mal full, hein, les gradins? C'est plein. C'est full? C'est full. Full, full. Il y a plus, il y a plus de 10 000 personnes sur le terrain, Francis. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. On avait 10 000 bracelets et il y en a plus. C'est un beau problème. Félicitations, mesdames et messieurs, de participer ici à cet événement d'année en année. Et donc, et ce week-end, on a les finales de l'équipe de Rodeo du Québec qui se poursuivent avec Hugo Ferras. And some fun! Yes, cowboy! Les 8 secondes ont été bienvenues pour Hugo Ferras. On lui donne une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Hugo Ferras. All right, c'est notre quatrième participant de la division novice de cette épreuve. Hugo va s'agripper à notre cavalier de secours. Il est au sol. On l'applaudit, mesdames et messieurs. On a 28 points d'un côté et de l'autre côté, 30 pour un 58 points total. All right. On le prend, on le met en banque. 58 points, ça devient notre deuxième meilleur cowboy puisqu'on a un 59,5 réalisé par Andy Chalifou. Dernier cowboy maintenant de la division novice, Joey. Exactement. Le meneur au classement de cette section, Tommy Bélanger de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il est jumelé à Co-Motion. Il est en provenance de la chute aux couleurs de l'institution financière Desjardins. Donc, on sera au travail pour Tommy Bélanger dans quelques secondes. On le surveille. Shoot out. Yes! Yes, Tommy Bélanger! Il a voulu s'essayer un peu plus fort que les autres, mais malheureusement pour ce soir, ça lui aura coûté son 8 secondes, mais c'est ce qu'il faut faire quand on est dans cette division novice. Il faut tenter de se surpasser puisque dans très peu de temps, notre ami Tommy va devoir compétitionner avec le prochain groupe qu'on va voir performer dans quelques secondes, donc dans la catégorie Open de la Monde des Chevaux Sauvages, Sarcelle. Exactement, mon ami Francis. On enchaîne maintenant avec les cowboys dans la catégorie Open. Notre premier cowboy, il vient de Saint-Tite au Québec. Il est jumelé à la monture Black Cat. On va surveiller Brian Rouillet. All right, Andy Chalifou, donc, est notre gagnant de la première ronde de la Monde des Chevaux Sauvages Sarcelle Division Novice avec un 59,5. On l'applaudit, mesdames et messieurs, notre gagnant de la première ronde. Nos cavaliers de secours nous reviennent, on va être prêts à enchaîner avec notre prochain cowboy. Cowboy de... qui nous vient de Saint-Tite, mais demeure maintenant dans la région de Saint-André-Avelin. On va surveiller, mesdames et messieurs, Brian Rouillet. Ah oui, Brian nous a fait quelques très bonnes performances cette année. Il a gagné de mémoire Saint-Victor. On est parti pour Brian Rouillet. Wow! Yes, cowboy! Wow! Yeah. Les 8 secondes ont été tenues. On a vu quelques mouvements des prenages de notre cowboy. Oui, donc on tente de se stabiliser pour sortir notre main de la poignée. Donc vous voyez comment c'est difficile de ressortir la main de la poignée. Le cowboy va terminer tout ça et s'agripper
derrière William Payard. Voilà, on est au sol, mesdames et messieurs, pour le Cowboy Brian Rouillet. 39 et 37 pour un 76 points, mesdames et messieurs, 76 points pour Brian Rouillet et la monture Black Cat. On va poursuivre maintenant avec un prochain Cowboy qui nous vient de Saint-Tite au Québec. Un Cowboy, mesdames et messieurs, du nom de Maxime Lefebvre. Maxime est jumelé à la monture Burn Burner, un cheval à Palooza. On surveille notre Cowboy qui s'est emmené en quatrième position cette saison. All right. On est prêt dans quelques instants, le temps que le Cowboy termine ses préparatifs. Comment ça va là-bas, Guildo? Y es-tu prêt, notre Cowboy? Y es-tu prêt? Hein? Toi, Guildo, tu connais ça un peu, cette épreuve-là, hein? Tu l'as déjà fait? Oh, yes! Come Maxime on! Lefebvre! Oh, c'est... C'est accepté, monsieur les juges, malheureusement pas. On a touché de sa main libre. On lui donne quand même une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs, Maxime Lefebvre et Burn Burner. On va enchaîner maintenant. Le temps que le manège soit sécuritaire avec un prochain Cowboy. Un prochain Cowboy qui lui s'est emmené comme numéro 3 au final de l'équipe de rodéo du Québec. Son nom est Jérémy Courchaine. Il nous vient de Saint-Chrysostome au Québec. On va surveiller Jérémy Courchaine et la monture Free Bird. Oh, Jérémy Courchaine en est qu'à ses débuts dans le monde du rodéo. Il est déjà très, très bon. Il a une très belle carrière devant lui. Il nous vient de Saint-Chrysostome. Il en est à sa première année catégorie Open. On le surveille. Jay Courchaine. Free Bird. Yeah! Come on! Oh boy! Ça lui arrive à l'occasion. On va lui donner... Faire attention, les cavaliers de secours. On va lui donner quelques secondes pour reprendre ses esprits. On va ramener la monture dans les loges à l'arrière. T'as-tu envie d'y faire le bouche-à-bouche, Guildo? OK, c'est comme ça, toi. Tu réanimes de cette façon. Ouais. Ça peut endormir. Ouais, Guildo, ce que je disais, c'est que t'as déjà... Hey, on lui donne une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Il tente de se relever. Notre Cowboy. Il est debout. Je pense qu'on est blessé à une jambe, donc on va prendre le temps de lui faire des traitements, assurément, pour le remettre en condition pour demain soir. C'est ça, Guildo, hein? Ouais, Guildo, toi, t'as déjà fait ça, cette épreuve-là. C'est comme ça que tu faisais ça? T'as-tu été bon? Ben, voyons donc. Fallait que tu dises « Oui, j'étais très bon. » Oui, j'étais très bon. Il était vraiment bon. Le problème, c'est quand il ouvrait la porte. Ouais. Dans chute, avant de partir, écoute, 8 secondes, c'était facile. Hey, mon ami Francis, notre Cowboy numéro 2 n'est pas prêt. On va enchaîner avec le Cowboy numéro 1. Notre Cowboy numéro 1 nous vient de la région de Sherbrooke au Québec. Il se nomme Kevin Seal Longmore. Il est jumelé à la monture Country Girl. On va surveiller notre prochain Cowboy, Kevin Seal Longmore et la monture Country Girl. Joey, ces Cowboys-là, les deux premiers, n'ont seulement qu'environ une centaine de dollars qui les sépare entre la première et la deuxième. Donc, Carl Bernier est deuxième et Kevin Sear premier. Mais je pense que Kevin Sear va avoir une petite pression ce week-end parce que Carl Bernier, c'est un champion depuis plusieurs années. Il s'amène au final un peu comme l'underdog, comme le cowboy qui a tout à gagner. Et Sear est le premier, lui, un petit peu à perdre ce week-end. On le surveille, c'est parti. Yes, Kevin Sear, come on! Yes, sir, Kevin Sear Longmore. Oh, malheureusement. On a deux mauvaises nouvelles pour Kevin. À la sortie de la chute, on avait omis de marquer la monture, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les pieds dans l'encolure, donc les juges l'ont vu. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on a touché à deux mains avant la fin du 8 secondes. Malheureusement, pour notre Cowboy, on n'aura aucun pointage. Et on lui donne quand même une bonne main d'applaudissement, mesdames et messieurs. Kevin Sear Longmore et la monture Country Girl.
Ah là 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 là! All right! On va aller reprendre notre souffle un peu. On s'est fait brasser pour Kevin Cyr dans cette performance. All right! On est prêt pour Carl Bernier dans quelques secondes, numéro 2 au classement général. On va surveiller notre cowboy Carl Bernier, originaire de Whedon. Carl a été champion de l'International Pro Rodeo Association. Il est jumelé à Blizzard, une nouvelle monture sur le circuit de l'équipe de rodeo cette saison. On surveille Carl Bernier. Carl est vraiment un habitué des finales de l'IPRA, donc aux États-Unis, en Oklahoma. Il a déjà été champion mondial. Et cette saison, on veut recommencer le tour. On est en très bonne position pour se présenter au mois de janvier aux finales mondiales. All right! Carl Bernier, mesdames et messieurs! Wow! Ah oui, on a bien maintenu les 8 secondes. Les mouvements du cowboy avec ses jambes étaient au rendez-vous. Donc, on a bien performé. Maintenant, on va aller rejoindre notre cavalier de secours. Si la monture veut s'en approcher. On a 40 points d'un côté et 42 points de l'autre pour un 82 points! Wow! C'est notre champion de cette discipline ce soir, mon ami Francis. Et ça devient aussi le meneur au classement général 2023 avec cette performance victorieuse en cette première soirée des finales de l'équipe de Rodeo du Québec. Wow! Félicitations, Carl Bernier, champion de cette première performance.